Grillé, frère. Alors, déjà, dire frère quand on est vraiment frère, ça marche pas, gros. Joe, c'est ta meuf? Non, c'est ma pote. Regarde, je te montre. Ça, c'est quand c'est juste une pote. Et ça, c'est quand c'est plus qu'une pote. Ah ouais? Ouais. Bah les gens, ils vont tomber comme ça quand j'ai posté une photo de ton oreille, là. D'accord. Putain. Ça marche pas, ta crème, là. Wesh, t'es sérieux? T'as cru que j'avais le cul à la place du lobe ou quoi, frère? C'est une crème pour les hémorroïdes. Ah ouais, carrément, j'ai pas pu choisir. Je me suis fait choper par l'infirmière. Hey, tu rends ouf. Il y avait Joe avec elle. Arrêtez pas de pleurer. Je sais pas, je l'avais jamais vue comme ça. Genre, l'infirmière, elle lui parlait d'un médecin qui lui avait dit un truc et genre, elle arrêtait pas de pleurer. Elle a peut-être un cancer. Je sais pas. Elle a l'air d'aller bien pourtant. Nous aussi. Joe, attends, faut qu'on parle. J'ai rien à te dire. Attends, deux secondes. Écoute, t'as sûrement plus envie d'en parler à Lola, Tiff, Maya, enfin bref, n'importe qui d'autre plus qu'à moi, mais je voulais juste te dire que si jamais je suis là. J'ai rien à te dire, ok? Bon, les gars, c'est un premier géant, pas de bashing. Ah ouais, balle du lycée, genre à l'américaine, quoi. Oh putain, je savais que c'était une idée de merde. Tu vois, j'ai vraiment envie de la faire cette fête. Mais je sais pas, j'ai tellement pas le temps de m'en occuper, quoi. J'ai même pas deux neurones dispo pour trouver une idée un peu originale. Mais en vrai, c'est tout l'emballage. Hein. Après, tu vois, faut jouer à fond, petite, tu vois. Petite photo de couple à l'entrée sur fond vert, et là, c'est taille, tu vois, enfin. Ah ouais, non, mais ça, c'est chaud pour Bilal, hein. On va devoir faire un choix entre toutes ces meufs. Bah, pourquoi se limiter à une? Ah non, s'il vous plaît, pas forcément de couple, hein, parce que c'est trop discriminant pour les célibes. Voilà, là, ça me parle. Ok, les gars, attendez, ok, idée de génie. Balle du lycée, on n'a qu'à faire ça dans le lycée. J'ai déjà proposé au proviseur. Ah putain, je suis trop forte. Juste par contre, Bilal, pas sûr qu'une meuf veuille bien de toi si tu laves pas cette veste un jour. Hein. Tu pues le vestiaire, là. Ah ouais. Là, on est passé à un autre niveau de vanne. Allez, on se casse. Tu te souviens de la soirée quand maman a ouvert son resto? Putain, elle avait mis le paquet. Les fleurs sur toutes les tables. Le buffet dégustation pour faire tester son menu. C'était trop bon. Il y avait tellement de monde. La fête était ouf. Ouais. Elle n'aurait pas dû emprunter autant. Tout le monde fait ça, non? Non. Tac. Tout le monde n'investit pas tout son fric dans un resto à 40 couverts sans associé. Genre, c'est totalement con de faire ça. Elle a vu trop grand, c'est tout. Ça marchait bien au début. Putain, allô, Zach? T'es sérieux, là? Si t'arrives pas à fermer 3 mois sans t'écrouler, c'est que ça marche pas. C'est un peu ça, l'idée, tu vois.
pas contre toi que je suis énervé. Je sais, c'est contre maman. Non. C'est contre le système. Encore là, toi? Tu sais que normalement, c'est toutes les 3 semaines. Ça va pas mieux, ta maman? Non, elle est encore un peu patraque. Bon, écoute, Bilal, ça fait longtemps que je travaille là, je sais à quel point c'est dur de demander de l'aide. Mais moi, je vais pas pouvoir continuer à te laisser passer si tu continues à me mentir. Non, mais je vous dis vraiment, elle a pas pu venir. Elle est malade. C'est juste que elle est partie dans le sud pour travailler, mais elle va revenir bientôt. Mais depuis combien de temps? Un mois et demi, même pas. Et tu vis tout seul? Non, je vis avec mon frère. Il a quel âge, ton frère? Il a 13 ans. Mais tout va bien. Je m'occupe bien de lui, y a pas de problème. Mais c'est pas à toi de t'occuper de ton frère. T'es un ado, toi aussi. Et à l'école, comment ça va? Mais je vous dis que tout va bien. C'est bon, là? C'est fini, l'interrogatoire? Bon, laisse-moi en parler à mon responsable. On va trouver des solutions. Attends-moi ici. T'as déjà fait ça? Une ou deux fois, ouais. Mais t'avises pas le faire sans moi, ok? Bon, on y va tranquille. On n'a rien fait de mal. Messieurs, s'il vous plaît, petit contrôle. Quoi? Allez, petit contrôle des sacs, s'il vous plaît. Allez, on n'a rien pris. On vous a vu, on quoi vous a vu. On vous a vu. Donc, vous ouvrez le sac, on va juste vérifier. Lâche-moi! Reste là, tu restes là! Casse-toi! Tu te calmes! Calme-toi. Je veux juste voir votre sac, alors montre son sac. Allez. Ça va, allez, calme-toi. T'as juste piqué ça? Ouais. Allez, barrez-vous. Quoi? Barrez-vous, j'ai rien vu. Je sais ce que c'est que la galère, je suis pas là pour t'enfoncer, ok? Non, on n'a pas besoin d'aide. Je paierai pour vous. T'auras pas 12 000 mains tendues dans ta vie, hein? Alors, barre-toi. Allez, vas-y. Hé! La prochaine fois, je serai pas aussi sympathique, hein.
T'es obligé de faire ça? Ouais, bah ça fait trop de bruit la journée. C'est pour qui que tu fais tout ça? C'est pour moi. Ça fait beaucoup d'énergie pour cacher qui t'es vraiment. C'est lui qui me code de ouf. Mais il a 13 ans, mais il est déjà chaud. Hey, les gars, vous vous êtes déjà fait forcer par la foule, en vrai. Ça va vraiment être un truc de malade. Elle a un léger besoin de décompresser, là. Si, si. C'est toi, cette histoire de dégâts des eaux, là. Quoi? Arrête de te foutre de moi, frère. Ta daronne a prévenu la mienne, arrête. Elle l'a remercié de vous accueillir. Ma mère, elle a rien compris, frère. Et si tu m'appelles dans tes histoires, faut me le dire, ok? Elle a rappelé ou pas? Non, j'ai sauvé tes fesses. Elle me dit que t'étais chez Maya et c'était moi, j'osais pas lui demander. Mais t'imagines pas la triste que j'ai eue, hein? Ouais, Redouane, t'es pas tes amis, t'as pas honte, je t'ai pas élevé comme ça. Mais pourquoi t'es pas chez ta mère, en fait? Vous dormez où, là? Eh, frère, je te tends des perches depuis des semaines. Si tu me réponds pas, c'est un javelot, tu vas recevoir dans la gueule, là, ok? Non, mais c'est juste qu'elle est partie bosser dans le sud et elle bat de nous laisser tout seul. Alors voilà, on habite dans un appartement avec le dégât des eaux et bah j'ai préféré lui dire qu'on était chez toi, c'est tout, ça la rassure. Tu m'avais pas dit qu'après la fermeture de son restaurant, elle avait trouvé une place de chef dans le 5e? Tu m'avais pas dit une brasserie? Oui, non, mais hey, c'est comme ça la restauration, ok? Tout le monde peut pas avoir une vie super réglée comme tes parents. Je suis désolé. C'est bon? Je peux y aller ou le commissaire adjoint Bédia a encore des questions? Putain, gros, sérieux! Ça va? Je lui gère. Maintenant, là? Ça va? Jo, ça va? Ça va. T'es sûr? Ouais, si. J'ai trop bu, c'est tout. T'as pas à justifier, t'inquiète. Faut que je mange un truc fat, là. Je vais crever, ici. Si tu veux, je connais un petit kebab pas trop loin. J'allais tout le temps avec mes parents avant, donc on peut y aller, si tu veux. Ça te dit? Tiff va me faire la gueule si je pars comme ça. Mais t'inquiète, c'est Aurélien qui gagnera ce soir. Donc je pense Tiff, dans une heure, elle a 3 grammes. Et elle nous aura bien oublié, t'inquiète. On y va? Vas-y, fais gaffe aux marches. Bilal! Tu vas où? Vas-y, nous on bouge. Mais reste avec les autres. Puis on se rejoint à la maison, ok? Nature, toi. Quoi, t'as la chose sur la gueule? Non, mais là, t'as assez pour faire un petit déj, quoi. Bah, vas-y, donne-moi un mouchoir, non? Bah, attends. C'est le matin du King? Ouais. Attends, mais c'était pas mal terminé entre vous? Je sais pas, il a un retour de flamme. Ça fait du bien à l'ego, non? J'aime bien de mater les gens dans la rue.
c'est de deviner ce qu'ils font, où ils vont. À vous tu sors ton vieux speech de poète maudit là, à toutes les meufs que tu ramènes ici. Alors, je crois que je serais encore puceau si je racontais que je passe mes journées à imaginer la vie des gens. Ah ouais, non, j'avoue, c'est chelou en fait. Bah ouais. Ok, vas-y, je vais essayer. Lui là, avec ses cheveux de riche. Eh bah, je suis sûre, il vient de tromper sa go, tu vois. Et là, il lui ramène un bouquet pour se racheter une conscience. Alors non, trop cliché. Non, le but, c'est d'essayer de voir à travers la façade. Ah, mais parce qu'il y a des règles en plus. Vas-y, tu vois quoi, toi? Moi, je dirais, la plupart du temps, le mec, il est en jogging tong. Mais là, tu vois, il va chez sa mère, donc il se sape de ouf. Genre, elle adore le voir comme ça. Alors bon, le costard est cheap, les tulipes sont moches, mais c'est pas grave, il s'en fout. C'est juste son petit rituel de fils à maman. Waouh, mec, t'es ultra flippant. Je te jure. Ok, vas-y, je vais réessayer. Elle. Elle? Ouais. Vas-y, facile. Ça sent la grosse flemmarde, ça, qui s'était mis une déter pour aller à la Zumba. Mm-hmm. Mais finalement, elle s'est rabattue sur les donuts. Pourquoi des donuts? Je sais pas. J'en sais rien, moi, j'ai... Je sais pas, c'est grave moi cette meuf. Je me rabats toujours sur les donuts. C'est méga bon les donuts. Ok. Bah écoute, je valide. Bienvenue dans le cercle des no-life qui imaginent la vie des gens. Merci beaucoup. Mais vas-y, je voudrais essayer là. Tu fais quoi là? Ok, bah déjà bravo, tu caches bien ton jeu. Tu fais le mec, genre la vie c'est cool, tout va bien. Mais comme ton père est mort il y a longtemps, bah ta mère elle est débordée. Et du coup quand tu rentres chez toi, bah tu dois tout gérer et ça c'est une charge mentale de taré. Et du coup tu pètes des câbles. Alors non, totalement à côté de la plaque. Oui, bien sûr. Non, mais il suffit de te voir avec ton frère. Ou avec moi, là, maintenant. Tu te la racontes pas, mais ça se voit que tu veilles sur les autres, en vrai. Je suis trop forte. Putain, la merde, ces frites. Elle marche pas. Bon, bah, c'est là, hein. Ok, ça va aller, t'es sûr? Ah, bah, je pète le feu, là. Attends, mais t'as pas de code? Tu devrais venir faire du bootcamp avec moi. Tu kifferais. Du bootcamp? C'est quoi ça? T'as devant toi la triple championne du parcours du combattant. Je m'entraîne façon commando. Je vais t'éclater. Eh ben, j'ai hâte. Joe? Hmm? Pourquoi je sais rien sur toi? Je sais pas. Peut-être parce qu'on passe plus de temps à se clasher qu'à se raconter nos lives? Bonne nuit, super gooster. Pourquoi tu m'as rien dit ?